atmosphère bien étrange pour une journée très exclusive. Puisque chacun sait qu'aujourd'hui, ce curieux engin, fils de monospace et de camion, va célébrer à la fois son baptême et en même temps accomplir son tour d'adieu. D'abord, curiosité sur le stand Renault l'an dernier au Mondial. L'idée viendra ensuite de faire rouler ce prototype dont la durée de vie finalement sera aussi brève que celle d'un éphémère. Christian Conzen, Bernard Dudeau, Gérard Ducarouge, Renault Sport, Williams, Matra, auxquels vont se joindre les pilotes Éric Bernard et Alain Prost, se lancent ainsi dans la mise au point en quelques mois de ce monospace diabolique, puisqu'il est le seul à avoir un cœur qui bat à plus de 800 chevaux, un moteur de Formule 1. Que la boîte de vitesse semi-automatique 6 vitesses serait digne, s'il y en avait une, d'un avion de chasse. Au freinage, sous l'effet des énormes disques carbone, l'espace est fin et presque scotché sur place. 80 mètres seulement pour dégringoler de 300 à 70 km/h. Passer la chicane improvisée, la courbe de Singh vous saute au pare-brise. Les F1 la prenaient quasiment à fond. Mais là, il faut toute la science d'un Prost pour faire passer l'espace sur ses quatre roues. En fait, le centre de gravité est tellement haut perché, les roues de 18 pouces tellement rivées au bitume, qu'on sent que dans les mêmes circonstances, pauvre conducteur, on serait sur deux roues, voire carrément sur le toit. Sollicité par le pouce droit, la boîte séquentielle obéit docilement, monte alors violemment en régime, jusqu'à plus de 14 000 tours, et délivre toute la charge de ses 3,5 litres, plus de 800 chevaux, en engloutissant 60 litres au 100, ce qui, à 27 francs le litre d'essence, vous cogne un prix de revient kilométrique 300 fois plus élevé que celui d'un monospace de série. Mais ce jour est tellement exceptionnel qu'on va pas perdre son temps à étaler des trucs aussi mesquins et seul compte le champ du 10 cylindres dans la ligne droite du Mistral. J'avais toujours eu l'idée dans le passé de donner les journalistes, surtout ceux que j'aimais pas, dans une F1 à deux places.